Eh bien, salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le livre La magie de Rhonda Byrne. Et on se retrouve donc pour ce jour 19, 20 je crois, je sais plus, je suis un peu perdu parce que c'est vrai qu'il y a la première vidéo du podcast qui a été considérée comme le jour 1, donc on est au jour 18. On est au jour 19 du procédé, des procédés magiques. Je m'embrouille un peu, excusez-moi. On est au procédé magique numéro 19, tout clairement, voilà. Et aujourd'hui, le procédé magique numéro 19, ça s'intitule « La magie du cœur ». Donc hier, nous avions vu comment créer notre liste de tâches magiques pour résoudre des problèmes. Et j'espère d'ailleurs que vous avez pu résoudre pas mal de vos soucis ou de vos tâches un peu barbantes. Voilà, on a vu comment appliquer dans sa vie de la santé magique, de l'argent magique, du travail magique, plein de choses. Et aujourd'hui, on va voir comment le cœur peut vous rendre votre vie magique. Parce qu'on le sait que le siège des émotions, c'est le cœur. Dans toutes les religions, les civilisations, le cœur a toujours été placé comme le centre de notre corps, le centre des émotions, et c'est de là où tout émane en fait, hein, et on le sait que le cœur est le deuxième cerveau de notre corps. Je crois que c'est le deuxième ou troisième cerveau. On a trois cerveaux. On a le cerveau principal qui s'appelle le cerveau. On a le cerveau du cœur, voilà, où il y a des neurones à l'intérieur, et on a aussi les intestins qui sont considérés comme le troisième cerveau. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut arriver à synchroniser le cœur et le cerveau avec ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Parce que souvent, quand on a du stress ou autre, c'est qu'on a des informations qui ne circulent pas suffisamment bien entre le cœur et le cerveau, donc on a des irrégularités au niveau de notre rythme cardiaque. Mais bref, ça sera le sujet de notre podcast. Donc déjà, ce qu'on va faire, bah comme d'habitude, on va apprécier notre bonne fortune. On dresse la liste de 10 bienfaits dont on jouit dans la vie. On écrit le pourquoi on est reconnaissant. On relit cette liste en disant les mots magiques merci, 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 3 fois. En éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire, tout simplement. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous concentrer. Et vous allez porter toute votre attention sur la région de votre cœur. Donc vous pouvez vous installer dans un fauteuil, sur votre divan, sur votre lit, sur votre coussin de méditation, par terre, sur une serviette, un petit matelas, et vous vous concentrez sur la région de votre cœur. Fermez les yeux et tout en restant concentré sur votre cœur, dites mentalement le mot magique « merci ». Vous pouvez carrément mettre la main sur votre cœur et en faisant des respirations conscientes et en vous concentrant sur votre cœur, en fermant les yeux, vous dites les mots magiques, merci. Vous pouvez le dire mentalement ou à voix haute si vous êtes dans un endroit calme. Mais voilà, vraiment vous concentrez sur ça. Vous prenez ensuite la liste de vos 10 désirs les plus chers, donc où vous faites carrément votre liste de 10 désirs les plus chers, et pratiquez la magie du cœur en lisant chaque énoncé. Vous fermez ensuite les yeux. Vous vous concentrez sur la région de votre cœur et vous dites lentement le mot magique « merci ». Donc vous prenez votre main, vous prenez votre liste de choses que vous aimeriez voir se réaliser, 10 choses, vous dites mentalement ou oralement le désir et vous pratiquez la magie du cœur en lisant chaque énoncé. Voilà, vous fermez vos yeux et vous vous concentrez sur la région de votre cœur et dites lentement les mots magiques merci. Et ça peut être sur plein d'autres choses aussi dans votre vie. Ça peut être sur les relations, ça peut être sur ce qu'on a déjà vu dans les procédés magiques, de refaire peut-être ces procédés en tenant votre main sur votre cœur et en vous concentrant sur cette région, en disant lentement le mot magique « merci ». Avant d'aller vous coucher, vous allez prendre votre petit caillou de gratitude dans une main et prononcer le mot magique « merci » en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà, c'était le procédé magique numéro 19. On va se retrouver demain avec le procédé magique numéro 20 et la technique s'appelle des résultats magiques. On verra comment on peut obtenir des résultats magiques sur des situations de notre vie. Mais je vous en dis pas plus. Abonnez-vous sur le podcast si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains procédés. Et on se retrouve donc demain pour ce nouveau procédé magique sur le livre La Magie. C'était Vince, je vous fais de gros bisous les amis. Ciao ciao!